Pardon, rappelle-moi ton nom là. Moi, c'est le dieu Cyclope. J'ai dit, c'est quoi, j'entends 2 jours là? En fait, mon mariage d'à peine une année va en couille. Mais ça, j'avais compris, mais dès quel coup? Moi étant à la maison, elle va voir son avocat, elle entame une procédure. Elle filme cette procédure et elle envoie ça par WhatsApp à Raphaël Abouem, son amant. Raphaël, quoi? Raphaël Abouem. Bon, maintenant, comment toi, tu sais ça? Bon, quand il s'est endormi, il sortit dans son téléphone. J'ai vu des messages d'un certain Greg Belobon. Message de qui encore? Greg Belobon. Greg Bolobo. Attends, bon, là, elle disait quoi? Où ma femme disait comment est-ce que elle adorait la nuit qu'ils ont passée ensemble. Attends. Où ma femme disait que elle adore quand elle lui caresse les seins. Antoine! Aîné. Où ma femme l'appelait bébé dans tous les sens. J'ai dit, on est en train de parler de Lady Ponce, ta femme, on n'a pas dit une autre femme. C'est terrible en fait. J'ai réveillé ma femme, je lui ai dit, mais écoute, c'est quoi ces conneries? Et puis elle a dit quoi? C'est m'a amené tout ce que j'ai vu de mes yeux. Dit, moi, j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. si je comprends bien, c'est Eric Bolobo, tu as attrapé d'abord, et puis après, maintenant, tu as vu qu'il y avait Raphaël, pour lui, là, c'était Cyril, où elle a demandé le divorce. Tu as expliqué pour Eric. Mais pour Raphaël, la coup, dans quel coup tu as su? Bon, il y a cette application qui peut faire, tu dérives les WhatsApp de quelqu'un dans ton téléphone. Tu dis quoi? Il y a cette application qui peut faire, tu dérives les WhatsApp de quelqu'un dans ton téléphone. Ah, ça c'est quelle application ça? Dans le matin, j'ai mis cette application dans son téléphone. Really, nigga? Attends, est-ce que tu sais qu'on peut nous mettre en prison? Mais ça, là, tu es en train de violer l'intimité de la personne et puis tu dis ça comme ça. Je m'en fous, je m'en bats les couilles. Bon, toi-même, tu parles, tu es sûr que tu n'as rien fait. Ben, on se parlait bien, tout allait bien. Moi, je n'étais pas au courant que j'ai un problème dans ma relation. Attends, il y avait une affaire de Lydie avec qui tu es sorti un temps là, Et c'est une histoire qui est passée avant mon mariage. non? Non, maman l'a dit pour moi, je sais qu'il y a un problème, quelque chose qui n'a pas dit, pardon, il faut m'expliquer. Maman, je suis embarrassée! Faut pas t'embarrasser, il faut parler en toute tranquillité. Si tu m'as dit quelque chose, la personne ne va savoir. C'est compliqué, oh. Qu'est-ce qui est compliqué là? Tu vas donner raison aux gens. Dieu Cyclone, je te déclare ouvertement que je t'aime. Bon. Aïe, mais toi, tu es qui? Je me prénomme Lauriane. Je voulais te déclarer cet amour depuis, mais vu que tu étais en couple, je ne pouvais pas le faire. T'as dit qu'il va la laisser? Ils sont séparés une fois, ils sont mariés. Ou bien tu comptes la laisser? Point d'interrogation. Je ne dirais pas que j'ai décidé de mettre un terme. Ah! J'aimerais te donner l'amour que tu en as besoin. Hey! Tu aimerais quoi? J'aimerais te donner l'amour que tu en as besoin. God. L'amour que quoi? L'amour que tu en as besoin. Hey, Jesus Christ of Nazareth. J'aimerais te donner l'amour dont tu as besoin. L'amour que tu en as besoin. Hey, Massa. Je suis prête à faire ma vie pour toi parce que je suis aussi une fille libre. Je veux te rendre heureuse. Tout est gâté. C'est mieux, je vais chercher l'application là pour mettre dans le portable de mon chéri de la nouvelle génération, le ministre Gon Coulibaly. Tu viens de faire quoi comme ça? Je me fais créer les polémiques n'importe comment. Ça n'a rien à voir avec polémique. Tu viens de tousser. Tu peux pas me dire que tu as. Jamais. Amen. En tout cas, il ne faut jamais oublier de te laver les mains avec du savon ou bien de prendre un gel hydroalcoolique pour te nettoyer les mains. Tu mets ton masque quand tu veux sortir, les gants si tu veux toucher des choses. Même ça va se faire. Merci là-bas. L'application là. Je vous embrasse. Ok. Merci. Portez-vous bien. Croyez en ce que vous faites. Bye bye.